Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment gérer une image au format vertical dans un montage horizontal, donc au format 16:9. Ça peut arriver qu'on ait par exemple une image filmée avec un smartphone en vertical et qu'on la mette dans notre montage qui est lui en horizontal. Et si on laisse comme ça par défaut, on se retrouve avec des bandes noires sur les côtés et c'est vrai que c'est quand même pas très beau. Alors on pourrait simplement zoomer pour supprimer ces bandes noires sur les côtés, mais le problème c'est qu'on perd de la matière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un effet d'arrière-plan flou dans Adobe Premiere pour avoir à la fois quelque chose d'esthétique, mais sans perdre de matière dans l'image. Vous allez voir, c'est assez simple, ça se passe en 5 étapes. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai ma séquence de montage, donc qui est en 1920x1080, et là, j'ai mon rush, qui est en 2160x3840, qui est donc un format vertical en 4K. Première chose à faire, je glisse mon image sur ma timeline. Alors là, je vois que ça va pas du tout, il a zoomé dedans, donc pour le remettre à la bonne taille, de façon à ce qu'on voit toute la matière de l'image, on va faire clic droit dessus, et définir sur la taille de l'image. Là, on voit bien notre plan en entier, il n'y a aucune matière manquante, et en fait, il l'a ajusté verticalement pour que les bords du haut et du bas correspondent à mon cadre. La troisième étape, ça va être de dupliquer ma vidéo sur la piste V2, de manière à avoir deux fois la même chose en V1 et en V2. Donc pour faire ça, je vais appuyer sur Alt ou Option, et en restant appuyé sur Alt, je vais cliquer sur mon rush, je vais le monter sur la V2 et relâcher. Et là, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça a dupliqué tout simplement la partie vidéo. Donc là, je me retrouve avec exactement la même chose en V1 et en V2. D'ailleurs, on voit la petite barre bleue ici, ça veut dire qu'en fait, cet élément-là est présent en double sur la timeline. Donc ça correspond bien au fait qu'on ait bien deux fois cette vidéo. La quatrième étape, ça va être de cliquer sur la vidéo qui est en V1, donc qui est en dessous. Ensuite, on va dans les options d'effet. Si vous n'avez pas ce panneau-là, vous faites fenêtre, options d'effet ici. Et là, on va venir augmenter l'échelle de manière à remplir les deux bandes noires, à ce que ça prenne toute la largeur en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire sur celle qui est en dessous et pas au-dessus, parce que si on le fait sur celle qui est au-dessus, ça va venir masquer le tout et ça perd son intérêt, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai supprimé les bandes noires, ça fait déjà beaucoup plus propre. Et la cinquième et dernière étape, ça va être d'aller chercher l'effet flou gaussien dans la fenêtre effet. Donc on tape flou et là on a flou gaussien. On vient l'appliquer toujours sur le rush qui est en dessous en V1. Ensuite, dans les options d'effet, on va bien activer l'option recopier les pixels du contour. Et ensuite, on va venir augmenter la valeur du flou. Alors la valeur, ça dépend de ce que vous avez derrière. Par défaut, vous pouvez essayer de mettre 100. Après, en fonction des détails que vous avez sur votre arrière-plan, ça peut être un petit peu moins. Par exemple, ici, c'est vrai que c'est que du ciel bleu quasiment. Donc on peut peut-être essayer de diminuer un peu la valeur. Ça reste largement esthétique, hein. C'est à vous de voir, mais je dirais que la valeur de 100 est une bonne valeur par défaut. Donc là, si on regarde le rendu avant et après, c'est quand même autre chose. Là, on a vraiment la sensation d'avoir une image filmée en vertical et qui n'a pas du tout été adaptée pour l'horizontal. Alors que là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus immersif. On a réussi à adapter notre vidéo au format horizontal. Alors après, à vous de voir si vous avez envie d'augmenter la taille de la vidéo principale, parce que peut-être qu'en bas et en haut, vous n'avez pas de la matière qui est indispensable. Donc dans ce cas-là, il suffit de jouer avec l'échelle de votre vidéo qui est au centre et la position potentiellement. Ça peut permettre en fait de faire une sorte de juste milieu entre on est zoomé à fond et du coup on perd trop de matière et on est dézoomé à fond et on voit tout. Bah, ça peut être intéressant par exemple de faire ça. Comme ça, bah, vous avez une image qui est quand même un peu plus grosse, mais malgré tout vous n'avez pas de bande noire sur les côtés. Donc voilà, à vous de vous adapter. Alors pareil, ce qui peut être intéressant, moi ça m'arrive aussi, peut-être si vous avez envie de mettre un petit peu plus l'accent sur ce qui se passe au centre, ça peut être intéressant d'assombrir ce qu'il y a sur les côtés. Donc dans ce cas-là, vous pouvez jouer sur l'opacité. Et là, en fait, ça va assombrir votre fond des côtés. Alors il sera toujours là, on n'aura pas des bandes noires. Mais par contre, vu que ça sera plus clair au centre, le regard sera attiré vers le centre et non vers les côtés. Donc vous pouvez jouer sur la valeur de l'opacité pour assombrir un petit peu les côtés et la valeur du flou gaussien pour le rendre plus ou moins flou en fonction du détail que vous avez tout autour. Alors si vous avez une image comme celle-ci, par exemple, ce qui peut être intéressant, donc là, vous voyez, si j'augmente la taille, on se retrouve en fait avec une ligne d'horizon sur l'image principale qui n'est pas au même niveau que la ligne d'horizon sur l'image qui est derrière. Donc ça peut être intéressant de jouer sur la position verticale pour se retrouver ici avec la ligne d'horizon au même endroit et ensuite d'appliquer le flou gaussien, voilà, pour avoir quelque chose. Bon là, pour le coup, le flou gaussien est peut-être un petit peu exagéré parce que ça peut nous permettre, voilà, de recréer une sorte de paysage en largeur. Et voilà, et là on peut s'adapter un petit peu comme ça.
Donc voilà pour cette technique, vous voyez c'est assez simple, mais c'est vrai que ça peut donner un rendu beaucoup plus pro et esthétique à une vidéo verticale qui fait quand même à la base très vidéo amateur filmée au smartphone. Si vous avez envie d'apprendre le montage vidéo, sachez que j'ai une formation complète sur Adobe Premiere. C'est une formation en ligne pour les débutants avec des vidéos à suivre, où on part vraiment de zéro avant même d'ouvrir Premiere et on aborde toutes les étapes de montage jusqu'à l'export final. En plus de ça, il y a aussi beaucoup d'interactions, que ce soit dans le groupe privé, via la messagerie directe avec moi, ou alors dans les lives collectifs que j'organise sur Zoom. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le programme de la formation que je vous ai mis en description. Et sinon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut !